si vous achetez un nouveau téléphone, commencez à l'utiliser, on vous demande d'accepter les politiques et conditions d'utilisation. Vous voulez naviguer sur un site web, on vous demande d'accepter les cookies. Ou alors, si vous utilisez une application mobile pour commencer à l'utiliser, on vous demande d'autoriser l'application à accéder à vos données. En fait, l'ensemble de toutes ces opérations a un seul nom, la collecte des données personnelles. Mais qu'est-ce que cela veut dire, données personnelles? En fait, les données personnelles, c'est un ensemble d'informations qui se rapportent à un utilisateur donné. C'est-à-dire toute information qui permet de vous identifier, soit directement, soit indirectement, constitue votre donnée personnelle. Ça peut être votre taille, ça peut être votre situation matrimoniale, votre langue parlée, votre zone d'habitation, votre obédience politique, votre opinion religieuse. Bref, toute information, aussi petite soit-elle, lorsqu'elle permet de vous identifier, elle constitue votre donnée personnelle. Mais à quoi servent les données personnelles? À qui profitent-elles? Les données personnelles, en fait, constituent de nos jours une véritable opportunité de créer des richesses. Elles permettent aux entreprises, aux institutions, aux sociétés d'atteindre leurs objectifs marketing. Et également, les données personnelles aident les États dans leur processus de prise de décision. Pour collecter le plus de données possibles, les sociétés technologiques comptent sur les outils qui se confondent aujourd'hui à notre quotidien. L'un de ces outils, c'est smartphone. Nos smartphones, au-delà d'une simple émission d'appel, ont des rôles secondaires qui sont d'ailleurs très sombres. C'est-à-dire, nos téléphones nous écoutent partout où nous sommes, nos téléphones captent tous nos mouvements, tout bruit que nous émettons à côté des téléphones, ils nous écoutent permanemment et régulièrement. À côté des téléphones, il y a les cookies. Les cookies, en quelque sorte, sont le cerveau des sites web. Lorsque vous acceptez les cookies ont pour mission de mémoriser votre parcours sur le site web, d'emmagasiner vos différents mouvements, c'est-à-dire quel est l'article que vous avez lu, quel est le temps que vous avez passé sur le site, quels sont les autres onglets que vous avez ouverts sur le site. Bref, les cookies ne laissent rien du tout, rien de tout ce que vous faites sur un site web donné. La liste n'est pas exhaustive pour évoquer les outils de collecte de données personnelles. Il y a également les applications mobiles. Lorsque vous acceptez qu'une application ait accès à vos données, l'application va se charger de collecter vos données et de les transmettre aux développeurs qui les ont développées. Cela veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Une fois que nous sommes avec notre ordinateur, une fois que nous sommes avec notre smartphone, nous ne sommes pas du tout en sécurité. Même si nous mettons le code, au code nous ajoutons les schémas nous renforçons avec la reconnaissance faciale, notre sécurité est toujours très 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 relative. Peut-être que nous sommes protégés par rapport à notre voisin qui ne connaît pas notre mot de passe, mais pas par rapport à ces nombreux développeurs dont nous utilisons les applications, pas par rapport à la société qui a fabriqué notre téléphone. Ça veut dire que nous sommes en danger, nous sommes permanemment écoutés. Le pire est que ces données, une fois stockées, les entreprises, les grandes entreprises partagent nos données entre elles. Ce que vous faites sur Facebook ne se limite pas sur Facebook. Ce que vous faites sur Google ne se limite pas sur Google. Ce que vous faites sur Amazon ne se limite pas là-bas. Ils servent, elles partagent nos données ensemble afin de contrôler nos choix, afin d'influencer nos opinions. Et c'est pour cela, une fois que vous partez sur Google, vous tapez un mot, par exemple « voiture », la prochaine fois que vous avez que vous allez vous connecter sur Facebook, vous allez retrouver les voitures sur votre fil d'actualité. Vous envoyez un message à votre ami en privé, vous lui parlez des équipements de production audiovisuelle. La prochaine fois que vous allez vous connecter, vous allez voir ces événements-là sur votre fil d'actualité. Ce qui fait que nos smartphones nous connaissent parfaitement. Ils connaissent nos goûts, nos préférences, nos états d'âme, nos sentiments. C'est pour cela, une fois qu'on est connecté, ce qu'on voit sur notre fil d'actualité ressemble parfaitement à ce que nous traversons à des moments donnés. Donc, ceci étant connu, préservez-vous, nous ne sommes pas en sécurité. Faites attention avec votre téléphone parce que tout simplement, les données personnelles peuvent se retourner contre nous.